Bien? Oui. Oui, je. Pardonne-moi de t'avoir réveillé. Je vais très bien. Henri? Je vais très bien. T'inquiète pas, rentre-toi. Thank you.
Commissaire Jenkins. Bonjour, Monsieur Sturridge. Directement à l'hôpital, monsieur. Comme d'habitude. Très bien, monsieur. Ça fait des mois et des mois que vous travaillez sur cette poudre. Et pour la première fois aujourd'hui, vous allez l'utiliser pour opérer. Je suis curieux de vous voir passer de la théorie à la pratique. Vous ne lui donnez pas de morphine ? Inutile. Prenez ça, s'il vous plaît. Vous avez de la chance. C'est un nouvel anesthésique. Votre œil va s'engourdir, s'insensibiliser. Vous ne souffrirez pas. L'œil était perdu. Oui, mais il n'a ni frémi ni bougé. Cette drogue peut donc remplacer la morphine comme anesthésiant local. Elle a un champ d'application qui dépasse celui de l'anesthésie. Elle me donne une énergie, une exaltation qui rejoint presque l'extase. Et sans phénomène de distorsion, c'est fascinant. Vous en étudiez les effets sur vous ? Bien sûr, puisque je prépare un rapport complet. Eggleston me pousse à le présenter à la conférence de Vienne le mois prochain. C'est dans 15 jours. Croyez-vous être prêt ? Je suis convaincu que nos connaissances médicales vont être bouleversées. Cette poudre procure des rêves d'une étonnante réalité, des instants mêlés de présent et de passé qui vous entraînent dans une autre dimension du mental. Jekyll, êtes-vous certain que ce soit sans danger ? Les peuplades dites primitives l'utilisent depuis des siècles. Jusqu'à aujourd'hui, l'homme était enfermé dans un univers obscur et dogmatique. J'ai peut-être découvert le secret qui va le libérer. Excusez-moi, docteur. Il y a une jeune personne à la réception. Elle dit que votre femme l'a envoyée. Ma femme ? Ah oui, bien. Bien sûr, j'arrive. Une des protégées de ma femme. Accompagnez-moi. Comment vous appelez-vous ? Susanna. Vous toussez ? Non. Vous respirez difficilement ? Non. Voulez-vous enlever votre blouse ? Mon Dieu ! Regardez ça, Jekyll. Comment est-ce arrivé ? On vous a battu ? C'est mon beau-père, monsieur. Mais je croyais que vous veniez de l'asile, que vous étiez sans domicile. Oui, c'est vrai. Mais il est venu me voir, mon beau-père, bien sûr. Et il m'a battu. On dirait une brûlure de corde ? Oui, ça s'en est une. D'abord, ils m'ont attaché, et puis... Vous devez avoir une jolie maison. Oui, assez jolie, en effet. Je vous la confie, l'agneau. Comment s'appelle-t-elle déjà ? Susanna. Viens, Susanna, on va voir ça. Charlie. Charlie. Regarde ce que je t'apporte, Charlie. Je l'ai préparé spécialement pour toi. Viens voir. Tu aimes ça, hein? Chérie, viens vite voir. Allez, Charlie. Oh, Henri, tu n'as même pas touché à ton repas.
Si tu continues à ne pas dormir et à ne pas manger, tu ne seras pas en forme pour la conférence de Vienne. Je vais avoir fini dans 10 minutes. Tu m'as dit la même chose il y a 4 heures. J'ai trouvé un nouveau mélange. Bon, une tasse de thé au moins. Regarde. Regarde-le dévorer cette poudre de rêve. Bonne nuit, Dr. Jekyll. Oui, Charlie. Salut, qu'est-ce que tu aimes, les filles, les hommes, la défonce? Il suffit d'avoir un peu de fric pour ouvrir toutes les portes. Il faut s'amuser, il n'y a rien de mieux. C'est ce que je fais. Ce que je vois me plaît beaucoup. On ne devait pas être sur la même longueur d'onde. Si ton plaisir, c'est de mater, je connais un endroit où tu ne seras pas déçu, crois-moi. Qui t'a dit que c'était ce que j'aimais? Tu es du genre à aimer des choses très particulières. Il n'y a qu'une boîte où tu trouveras ce que tu veux, chez Flora. Tu es là pour le plaisir, pas pour tuer le temps. Ah, qui sait? Et c'est ici que ça se passe. Je suis sûr que tu as déjà entendu parler de Madame Flora. Non, je ne crois pas, non. C'est très bien fréquenté. C'est un endroit célèbre. Chez elle, tu ne restes jamais sur ta faim. Si tu vois ce que je veux dire. On est arrivé. Allez, viens. Entre. Viens, viens. Vous voyez, petite pièce, monseigneur. Et le plaisir, ça se partage. Alors c'est ici, chez Madame Flora. Eh mais oui, plutôt sympa. Et voici Madame Flora. Bonsoir, Johnny. Je vois que tu as amené un nouveau et charmant invité ce soir. Soyez le bienvenu, monsieur.
C'est la première fois que vous venez. Vous pouvez m'appeler Flora. Vous êtes... Hyde. Jack Hyde. Johnny, veux-tu montrer notre sélection à ton invité? Je suis sûr qu'il trouvera de quoi le satisfaire. Allez, viens, monseigneur. Et voici sœur Susanna. Mr. Hyde, la visite n'est pas finie. Mr. Hyde, un instant. Hé, hey, les rues sont dangereuses la nuit. Mais, monseigneur, yes, soit. Yes. Moi aussi, je voudrais aller plaisir. Président, une petite pièce. Ne touche pas. On cherche quelqu'un? Oui. Eh bien alors, peut-être bien que tu l'as trouvé. Oh, je vois. Tu ne serais pas un peu en manque, toi? Tu viens. Où ça? Je t'emmène chez moi. Il y a tout ce qu'il faut. Allons-y. Tu as de la chance d'être tombé sur moi. Tu ne le regretteras pas. Tu verras, je vaux bien ta Susanna. T'as même ta cam avec toi? Une fois, il y a un marin qui m'a apporté de l'opium. C'était bien. Comme un rêve. Ça sentait bon et comme il pleut, ça tombait bien. C'était un turc. Alors, tu viens? Je te déshabille ou tu le fais? Hé, hey, c'était ma porcelaine de Chine. Tais-toi, tais-toi. Ferme. Te plaît autant que le cul de Susanna, on dirait. Eh bien, qu'est-ce que tu fous? Oh. T'as juste envie de te rincer l'œil. Tu vas être servi. Regarde. Et plus? Oui. Tiens, ça te plaît? Oui. Regarde, caresse-le. Non, je ne veux pas.
non, non. Oh, mais si tu peux. Pourquoi tu ne pourrais pas? Parce que je suis mauvais. Parce que je suis mauvais. Oh. C'est vrai ce que tu dis? Je ne crois pas que tu sois vraiment quelqu'un de mauvais. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Tu le sais. Non, pourquoi? Tu le sais. Je sais quoi? Ta gueule, tu le sais, moi! Arrête! Toi, je t'ai dit! Je t'avais dit que j'étais mauvais! Fais-moi prier. Fais-moi prier! Passe-moi! Fais-moi prier! Notre Père qui es aux cieux, notre Père bénis-moi, notre Père est... Aime-moi. Est-ce que tu m'aimes? Oui. Dis-le. Je t'aime. Oui, je t'aime. Dis-le encore. Je t'aime, je t'aime. Pour la vie, hein? Oui, pour la vie. Tu es une brave fille, une très brave fille. J'espère que je ne t'ai pas fait peur. Oh non, ça va. Tu t'es un peu éclatée, quoi. Tu ne crois pas que je sois méchant, n'est-ce pas? Non. Oh, chacun son truc. Et tu m'aimes toujours? Oui. Oui, bien sûr, voyons. Menteuse. Bonjour. Henri, il est temps de te lever. Alors réveille-toi. Il est tard. Ce n'est pas parce que tu travailles toute la nuit que tu peux dormir toute la journée. Oh, Elisabeth, je t'en prie. Docteur. Docteur. J'ai besoin de vous de toute urgence. Mon cœur a disparu. Je n'arrive plus à le trouver. Oh non. Docteur. Aidez-moi à le retrouver, s'il vous plaît. Écoute. Ah, ça y est, je me rappelle où je l'ai perdu. Maintenant, je crois que tu es réveillé. Debout, ils vont bientôt être là. On a un pique-nique, tu te souviens? Non, pas aujourd'hui, non. Je ne veux pas, non. Tu ne veux pas, mais il le faut. Non, non, je dois me reposer. Je veux rester ici. Il n'en est pas question. Ce sont tes amis, Henri. C'est toi qui les as invités, pas moi. J'ai beaucoup à faire, moi aussi, mais je n'ai pas le choix. Le travail n'est pas une excuse à l'incorrection. Madame. Docteur Jekyll, Monsieur Underwood vous attend. Il est dans votre bureau. Gabriel, tu es mon notaire depuis 20 ans. Tu es certainement la personne qui me connaît le mieux. Certainement, oui. Et pourtant, parfois, j'ai la sensation que même moi, je ne me connais pas. Henri, que se passe-t-il? Suppose que tu te trouves à l'entrée d'un labyrinthe. Ou plutôt d'une sombre forêt. Et que tu penses qu'il y a un grand secret caché à l'intérieur, peut-être même un merveilleux secret. Mais il y a un danger. Si tu découvres ce secret, tu peux te perdre. Tu peux te perdre à tout jamais. Dans ce cas, que ferais-tu? Tu poursuivras ta quête? Ça dépend de plusieurs choses. Cela en vaut-il la peine? Quelle est la valeur de ce que je pourrais trouver? Et enfin, quels sont les risques encourus? De quelle façon puis-je t'aider? Je l'ignore encore. Mais j'aurai besoin de toi.
bientôt. Montrez le corps à l'inspecteur Newcomen, voulez-vous? La gorge a été tranchée sur 15 cm environ. Les parois extérieures de l'abdomen étaient lacérées des seins jusqu'au pubis. L'incision a été réalisée de bas en haut. La peau a été retirée tout le long de la coupe de l'abdomen. Les ailes du nez sont découpées avec une précision étonnante. Êtes-vous sûr qu'il a d'abord tranché la gorge? Oh, c'est évident, sinon les autres entailles ne seraient pas aussi nettes. Il n'y a aucune trace de lutte. C'est d'une bestialité sauvage. Du travail de professionnel? Certainement, oui. Des plaies nettes et sans bavure, si je puis dire. Je pense qu'il doit avoir un œil d'aigle et la main aussi solide que l'acier. Il l'a éventré en partant du pubis et il est remonté directement jusqu'à la gorge. Rip ! En gros, je crois qu'on peut dire qu'il l'a tout simplement dépecé. Plus qu'un œil d'aigle et des nerfs d'acier, il paraît évident que c'est un professionnel. Il semble connaître l'anatomie, non ? À première vue, il la connaît peut-être trop bien. Délicieuse journée, Madame Jekyll. Tu as apprécié, finalement. On pourra en recommencer une autre fois. Mais quand j'aurai terminé... Henri, je suis désolée d'avoir été si nerveuse ce matin. Je sais toute l'importance que tu attaches à ton travail. Allez, tu l'envoies. Merci. D'extrêmement brillant. Mais cette découverte pourrait être un événement de première importance. Et ceci non seulement pour nous, mais pour toute la profession médicale britannique. Il est capital que vous la révéliez au Congrès de Vienne. Oui, en effet. J'aurai sûrement fini. Il va de soi que si, comme il en est question, j'étais muté à ce nouveau poste à Calcutta, il y aurait un fauteuil vacant au comité directeur de l'hôpital. Dans ce cas, cela signifierait bien sûr de grandes responsabilités. Vous seriez au sommet de votre gloire et ce serait le couronnement de votre carrière. Oui, je sais. Bonningham, un siège au comité directeur ouvre toutes les portes. Bonningham, heureux de vous voir si détendu. Je viens une fois par semaine avec la régularité d'une horloge suisse. Ah, bonjour, Jekyll. Bonjour, monsieur. Heureux de vous revoir. Jekyll a découvert le plus extraordinaire des anesthésies. Il va le présenter la semaine prochaine au Congrès. C'est une découverte dont nous pouvons être fiers. Vraiment? Je vais essayer de venir voir ça. Il peut y avoir des effets secondaires. Oh, oui, depuis, c'est un chiffre. Il faut que je retourne à mon travail. Ravi de vous avoir revu, monsieur. Justement, cher ami, je me permets de vous rappeler que vous m'en laissez envisager un poste à quelque chose. Si nous prenons le train mardi à midi, nous pourrions être chez Liliane mercredi après-midi. Vaudrait-il mieux arriver à Vienne samedi soir ou dimanche matin, à ton avis? Henri? Oui, ce serait parfait. Henri? Tu ne m'as pas répondu. Veux-tu? Uniquement te souhaiter une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Charlie. Mmh.
je serais généreux. Désolée, ma grande, mais je ferme. Oh, ne me fais pas ça, Georgie. J'en tiens un qui bourrait de fric. S'il te plaît, je paye d'avance. Maggie, pourquoi t'arrêtes pas ton travail pour rentrer chez toi à une heure décente? Comme tout le monde, quoi. Voilà pourquoi, idiot. Pour la même raison que toi. Très bien, tu peux y aller. Dernier étage, numéro 18. Et tu n'y passes pas toute la nuit. J'ai une femme et une famille qui m'attendent. La chance est avec nous ce soir. J'ai trouvé une chambre de libre. La chance. Elle est avec qui? Ça, c'est une grappette, hein? Voyons. 15. Oh, et le 18. Oh, mais c'est cosy. Allume, tu veux, chérie, ça réchauffera peut-être un peu. Tu viens? Bah, où tu es? Où est-ce que t'es? Allez, viens, quoi. C'est pas le moment de jouer à cache-cache. T'es là-haut? Donc, tu arrêtes ou alors je vous gagne. Ça va, moi je ne joue plus maintenant, on se les gèle ici. Oui, mais elle sera bleue dans une minute. Tu lui plais. Mais où t'es cachée? Les caresser. Et tu aimerais toi aussi. Oh oui. Allonge-toi. Allonge-toi. Ah.
Allonge-toi. Comme ça, oui. Oui. Oh oui, ça l'excite lui aussi. Ça l'excite. Caresse-toi toute seule maintenant, allez. Vas-y, oui, oui. Oui, oui. Lui aussi, tu voudrais le tenir dans ta main, hein? Oui. Allez, plus vite. Mais c'est moi que tu préfères. Oh oui, tu me préfères, c'est vrai, hein? Tu me préfères, hein? Oui, oui. Oui, oui. N'arrête pas. N'arrête surtout pas. Va plus vite. Oui, comme ça, c'est ça. Oh oui. N'arrête pas, hein? Oui. Oui. N'arrête pas. Putain. Maggie. 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 Oh, où elle est cette colle? Je n'avais plus de souffle. J'ai cru que j'allais crever. Oh, tu ne m'aurais pas fait ça, Susanna. Ça aurait été horrible. Ça aurait été horrible. Personne d'autre dans l'immeuble ou sur le toit? Personne? Non, monsieur. Et cet homme qui habite l'immeuble voisin déclare qu'il croit avoir vu une femme sur le toit vers 1h du matin. Mais il n'a rien remarqué d'extraordinaire. Sinon la présence de cette femme. Et 5 minutes plus tard, le dénommé Georges le retrouve avec la gorge tranchée et voit un homme en train de s'enfuir du toit. Il est incapable de donner un signalement précis. Toutes les blessures ont été infligées par un instrument tranchant du genre couteau et toutes ont été données à partir de la carotide gauche. Le Premier ministre doit faire une déclaration. Oui, il nous l'a communiqué. Je veux que la population de Londres se rassure, car le ministère de l'Intérieur a le contrôle de la situation, étant déjà en possession de plusieurs indices révélant l'identité et l'endroit où se trouve le meurtrier. Je suis sûr que Scotland Yard arrêtera ce fou dangereux et mettra fin à ses méfaits avant qu'il ne puisse récidiver. Eh bien, bravo, monsieur le Premier ministre. Je vous préviens que j'ai fait promettre à Henri que nous irions vous voir en Inde. Faudra venir à dos d'éléphant, ce qui présente certains risques. Ce pays est devenu moins dangereux maintenant. On doit y être beaucoup plus en sécurité que dans les rues de Londres ces temps-ci. Allons, allons, mesdames, il n'y a pas de quoi vous inquiéter. Mais au contraire, il y a de quoi nous inquiéter. Ces pauvres femmes ont été assassinées de la façon la plus barbare. Oui, mais la police a doublé ses effectifs dans tous les quartiers pauvres. Ça ne semble pas l'avoir empêché de recommencer l'autre nuit. Je pense qu'il est presque aussi dangereux de vivre à Calcutta qu'à Whitechapel, Dr. Eggleston. Croyez-vous vraiment que si la situation changeait, les habitants de Whitechapel s'apercevraient que la civilisation a quelque chose de mieux à leur offrir? Le révérend Fowler le croit, lui. Qui est-ce? C'est le révérend de Saint Michael à Whitechapel. Il a ouvert les portes de son église pour que les femmes s'y réfugient. Des prostituées? Dans une église? Je trouve son geste admirable, ma chère. Mais elles pourraient très bien décider de reprendre leurs coupables occupations dès que l'égorgeur sera soulevé. Tout à fait juste. Laissons-leur la liberté de choisir. En sont-elles vraiment capables en réalité? Pouvez-vous me dire ce que nous savons de la liberté? Mon Dieu, si on vous offrait la vraie liberté, vous vous enfuiriez, vous iriez vous cacher. Vous seriez terrifiés. Pourtant, je croyais que j'étais libre.
L'êtes-vous de faire tout ce qui vous plairait? Si je suivais tous mes instincts à la lettre, que se passerait-il? En ne respectant absolument aucune règle, ni aucune loi? Fini les lois, fini la propriété, fini les barrières. J'ai envie de ce morceau de viande. Je le prends. Henri, je t'en prie. J'ai envie d'une femme. Je la prends, c'est tout. Ça suffit, Jekyll. Vous vous comportez comme si nos manières, notre moralité, nous avaient été dictées par Dieu. Mais c'est le cas. Non, madame, nous les avons établies par consentement mutuel. Mais que se passerait-il si je n'étais plus d'accord? Je vous fais mettre les menottes et je vous jette en prison. Directement. Il faudrait d'abord m'attraper. Apporter du lait et du brandy. Je t'ai mise dans l'embarras. Tu sembles différent ces jours-ci, distant. C'est peut-être parce que tu travailles trop. Ça vaut la peine de le faire. Les autres médecins semblent avoir le temps de... De? Tu sais parfaitement ce qui m'inquiète. Arrête. Bois ça. Et tu dormiras comme un bébé. Dormir? S'il y a une chose que je ne veux pas, c'est dormir. Henri, tu travailles vraiment la nuit? Si je travaille vraiment la nuit? Non, ce que je veux dire, c'est où vas-tu? Dans les salles de jeu, les fumeries d'opium, où veux-tu que j'aille? Oh, Henri! À l'hôpital! Mais pourquoi? Je travaille avec un patient assez particulier. Un homme qui ne peut venir me voir que la nuit. Il est atteint d'une sorte de maladie du sommeil qui est étrange. J'espère arriver à quelque chose avec lui. Mais pourquoi ne vient-il pas ici, à ton laboratoire? Elisabeth, je n'ai pas tout ce dont j'ai besoin ici. Mais qui est-ce? Qui est-ce? Pourquoi veux-tu savoir qui est-ce? En quoi est-ce que ça te concerne? Tu peux me le dire? Est-ce que tu comptes embrasser la profession médicale, toi aussi? Est-ce que tu as décidé d'ouvrir ton propre hôpital? Henri, qu'y avait-il de blessant dans ma question? Rien. Ma chère épouse dévouée, rien. Tu as le droit de savoir. Oui, tu en as le droit, c'est Monsieur Hyde. Oui, un certain Jack Hyde. Pendant que tu y es, tu devrais essayer d'en apprendre un peu plus sur lui. Peut-être pourrais-tu l'aider, peut-être pourrais-tu le soigner. Il a désespérément besoin d'être soigné. Je suis désolée. Je suis consciente que tu ne fais que ton devoir. C'est ça. C'est très exactement ça. Je t'aime, tu le sais. Je le sais. Oh oui, je le sais. Alors je t'en prie. Laisse-moi terminer ce que j'ai commencé. S'il vous plaît. Après, vous avez tout emmené souper dans un restaurant chic. Oh, ça ne m'étonne pas. Bonsoir, monsieur Hall. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Susanna. J'ai l'impression qu'on se connaît. On n'aurait pas déjà été ensemble? Mais peut-être qu'on s'est déjà vu. Et si on se voyait de plus près tous les deux ce soir, ça te plairait? Pourquoi pas? Johnny! Apporte à monsieur du whisky pur malt, je te prie. Hello, Mr. Hyde. On devient un habitué de la maison, on dirait. Fais ce que je te dis. Alors, tu t'appelles Hyde? Il va falloir que tu me dises ce que t'aimes. Remarque, je suis assez grande pour trouver toute seule.
On a peut-être déjà passé un moment ensemble. Mais vu le nom, je peux pas me souvenir de tous les visages. Tu as l'air jeune. Oui, mais j'ai de l'expérience. Tu me trouves excitante? Je ne sais pas encore. On verra. Je ferai tout ce que tu voudras. Allez, viens. Viens m'enlever mes fringues. Montre-moi. Alors, tu veux que ce soit moi qui te déshabille, c'est bien ça? Il ne doit pas falloir t'en promettre à toi, un peu comme mon beau-père. S'il pouvait me voir maintenant, les hommes paient un joli petit paquet pour avoir ce que lui avait pour rien. C'est moi qui lui donnerais des ordres. Il devrait faire tout ce que je lui dirais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Je l'obligerai à me lécher les pieds, puis je l'obligerai à me lécher partout. Je le marquerai partout, oui. Comment tu lui ferais ça? De toutes les façons. Mais tu ne pourrais pas le punir. S'il est plus fort que toi, il ne te laisserait pas faire. Il faudrait d'abord t'assurer que tu es plus forte que lui. Le whisky. Susanna a envie de te faire des choses qui sont loin d'être gentilles, Johnny. À moi? J'ai jamais rien fait, cette petite pute. Parle pas de cette façon, sale petit connard. Non, non. Va en prendre, non. Tu entends ce que je te non. dis. Enlève-lui son froc. Dégage. Johnny, dis-lui de se déshabiller. Allez, vas-y, dis-lui. Déshabille-toi. Oh. Regarde-la, Johnny. C'est bon, hein? Regarde-la. Elle te plaît, Johnny? Elle sait ce que tu vas lui mettre. Viens ici! Montre-moi ce que tu sais faire, putain! Que tu fuis quelque chose, faut pas avoir. Lâche-moi. Je sais ce que c'est que d'avoir une envie urgente. Quand je veux, je peux être très rapide. Suis-moi. Il y a bien une petite minute à perdre.
À la cosaque, mon vieux Jack. Et en deux temps, trois mouvements. Voyez-vous, nous avons écarté cette possibilité à cause des réactions obtenues en stimulant les réflexes. Intramusculaire. N'avez-vous donc pas compris la corrélation entre la fibre musculaire et les centres ganglionnaires, Jenkins? Bien, monsieur. On ne pourra absolument pas les récupérer vu qu'ils sont complètement détruits. Ils m'ont trompé. Pardon? Qui a fait ça? Qui vous a trompé? Mais ça ne vous regarde pas. Mêlez-vous de vos affaires, voulez-vous je... La vraie. Merci, messieurs, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Je n'ai jamais rien entendu d'aussi épouvantable. Une telle horreur, une telle souffrance, ça ne devrait pas être permis. Puisse Dieu avoir pitié de moi quand mon heure sera venue. Je peux savoir de quoi vous parlez? La presse a des éléments nouveaux? Je ne peux pas vous dire, non, docteur. On parlait de ma tante. La malheureuse est morte la semaine dernière. Vraiment navré. Veuillez continuer votre travail. Eh ben, j'ai jamais passé autant de temps dans une église de toute ma vie. Vu la façon dont Vera s'est fait éventrer la nuit dernière, on est venu ici sur le trottoir. Oui, mais avec tout ça, je sais pas comment je vais joindre les deux bouts, moi, c'est emmerdant. J'ai une famille, des gosses, un mec qui travaille pas. Qu'est-ce qu'ils ont tous, ces fumiers, à s'en prendre aux filles qui vivent de leur cul? S'il y a qu'elles qu'ils étripent, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as rien à craindre, hein? Madame Shekill, votre fiacre vous attend. Merci, j'arrive dans une minute. Hé, hey, Nelly, t'aurais dû faire comme moi et aller à l'hôpital. J'ai demandé une vidange au médecin en chef et il l'a faite. Hé, hey, Nelly, si tu veux pas de vidange, il y a toujours le ramenage. Révérend Foller. Révérend Foller. Je vais chercher un médecin. Non, non, il faut l'emmener tout de suite à l'hôpital. Je suis Madame Jekyll. Où est mon mari? Le docteur Jekyll? Je ne sais pas. Trouvez-le, je vous prie. Il s'agit d'une urgence. Mais il n'est pas là, madame. Eh bien, où est-il, alors? Comment voulez-vous que je le sache? Il n'est jamais là, le soir. Je sais très bien qu'il vient travailler tous les soirs. Non, Madame Jekyll. On ne peut entrer que par là. Si le docteur Jekyll venait le soir, nous le verrions. Eh bien, il est probablement dans son bureau. Non, madame, je viens de passer devant. Il est avec Monsieur Hyde. Qui est Monsieur Hyde? Je vous en prie, allez vite chercher un médecin. Une jeune femme risque de mourir. Ah, tiens. Monsieur Hyde, au moins vous êtes là, vous. Où est Susanna? Elle est occupée. C'est qu'avec tous ces meurtres, il n'y a pratiquement plus personne qui vient. Il y a la petite Lisa, elle est jolie. Elle sait y faire. Susanna! Susanna! Monsieur Hyde, mais attendez! Susanna! On va arranger ça. Qu'est-ce qui lui prend, cette femme? Susanna! Johnny, viens ici, grouille-toi! Tire-toi! Oh non! Monsieur Hyde, calmez-vous. Tirez-vous! J'ai payé, j'en veux pour le truc. Allez vous faire enculer! Une petite caisse pour le plaisir. S'il vous plaît, monsieur le président. Non, vous n'avez pas de petite pièce. Thank you.
Je te ferai des trucs qu'on t'a jamais fait. À l'intérieur, c'est plus joli et plus chaud. Mais si tu en doutes, t'as qu'à venir voir. Comment tu t'appelles ? Jack. Bonsoir, Jack. Moi, c'est Margot. Franck, conduisez-nous à la maison, mon ami Jack et moi. Bien, madame. Yep. Je me trompe? Non. Alors tu te conduis comme un connard? Oh non. Ah si, c'est un connard. Bon, allons-y. Non, on n'a pas besoin de toi. Je viens de dire que je ne recevais pas d'ordre. Ah oui, c'est vrai. C'est bien vrai, tu en es sûr? Je les donne. Et je t'emmerde. Tu habites où? Quelque part ailleurs. Ici, ce n'est pas mon quartier. Ici, on décharge des merdes. Franck, c'est vide. Il n'y a pas une thune. Enculé! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Aller à l'hôpital. Il n'y a jamais eu de Monsieur Hyde. Tu te trompes. De toi exactement. Tout ce qu'il veut, c'est vivre. Où habite-t-il? Où vas-tu le voir? Il est très malade, Elisabeth. Il a besoin de moi. Je ne peux pas l'abandonner. J'ai besoin de toi aussi. Henri, s'il y a quelqu'un d'autre, s'il te plaît, dis-le-moi. Non, il n'y a personne. Alors promets-moi. Promets-moi que si un jour j'ai besoin de toi, tu seras là.
Docteur Jekyll? Un officier de Scotland Yard désire vous voir, l'inspecteur Newcomen. J'ai appris que vous aviez fait des recherches sur une drogue identique et ça pourrait nous aider. Je ne connais d'elle que son côté anesthésique. Mais celle-là... Celle-là... Sa composition semble avoir été modifiée. Ces filles ont pu être anesthésiées vu la façon dont il les a massacrées. Massacrées, dites-vous? J'avais cru comprendre que cet homme connaissait bien l'anatomie, pourtant. Et comment le savez-vous? Par les journaux. Ah. Oui. Ah, c'est ce qu'ils disent? Oui, et aussi que vous aviez un témoin qui serait capable d'identifier ce... Boucher. Ce boucher? Ah, vous ne croyez sûrement pas que l'assassin soit un boucher. Oh, c'est une possibilité, je suppose. Mais j'allais justement vous dire, docteur, que la description donnée par le témoin me trouble un peu. Oh. Il dit que c'était un gentleman, et il le décrit en même temps comme doué d'une force surhumaine. Surhumaine? Enfin, il se ferait appeler Jack. Est-ce que cela correspondrait à un de vos confrères? Il y a beaucoup de praticiens à Londres qui s'appellent John, Jonathan ou Jack, mais en général, les médecins ne sont pas réputés pour leur force physique. Et surtout vous. Moi? Vous êtes tombé sur plus fort que vous. Ah, une éprouvette a explosé. Je vois. Les risques du métier? Bien sûr. Si je peux vous être utile, dites-moi. Justement, vous le pourriez. Le coroner aimerait que vous examiniez le corps pour nous dire si ce Jack aurait des connaissances en chirurgie. Peut-être pourriez-vous venir nous donner votre avis? Mais certainement, j'en serais enchanté. Un chirurgien ne peut avoir fait ça. Ils vous attendent, madame. Faut-il réellement que j'y aille? Mais c'est votre soirée d'adieu, madame. Tu n'y es pas, Bernadette. Je ne vais plus à Vienne avec le docteur Jekyll. Et après? Bernadette, veux-tu t'assurer que le docteur lira ma lettre? Bien sûr, madame. Où est Henri? On va finir par être en retard. Henri ne vient pas avec nous. Il ne vient pas? Il doit venir. Pourquoi ne vient-il pas? Il doit finir de préparer son discours. Ah, c'est ridicule, il le terminera sur le bateau. Nous avons réservé une table chez Darcel pour le souper. Non, il faut qu'il vienne. Henri, Anne, Henri. Anne, cette conférence est très importante pour lui, comprends-le. Mais il n'y a rien de plus important à Londres ce soir qu'aller à l'opéra. Il paraît que le ténor est fabuleux, merveilleux. De Vienne, je te promets que... tout redeviendra comme avant. Non. Ça ne le sera plus. Tu avais dit avoir besoin de moi? J'ai besoin de toi. Aujourd'hui.
pour me rendre fort. Je ne peux pas. Chérie, je t'aime tellement. Je t'en prie, arrête. Il n'y a plus rien à faire de toute façon. Pourquoi ? Parce que je veux m'occuper de moi maintenant. Toi, tu peux faire ce que tu veux. Chérie. Je t'en prie. Il n'y a qu'une chose dont j'ai envie. Pouvoir être avec la plus belle des femmes à Vienne. Et pour toute ma vie. Henri. Vienne. J'ignore si je serai capable. Chut. Henri.
bien t'abriter. Oh non! Oui, vous avez raison, Elisabeth. Il se conduit d'une façon plus qu'étrange. Il est venu ici. Il m'a dit qu'il avait annulé son voyage. Je l'ai trouvé nerveux, mais déterminé. Déterminé? Déterminé à quoi? Et pourquoi est-il venu ici? Savez-vous qui est Jack Hyde? Hyde? Oui. C'est un patient d'Henri qui souffre de quelque chose de bizarre. Plus que bizarre. Gabriel, pour l'amour du ciel, dites-moi ce que vous savez. Eh bien, Henri est venu me voir pour changer son testament. Il veut laisser tout ce qu'il a, je dis bien tout ce qu'il a, à ce Hyde. Il m'a demandé... Non, en réalité, il m'a ordonné de rédiger ce document pendant qu'il attendait. Je ne le reconnais plus. Je... Vous devez pouvoir faire quelque chose. Cet homme a une emprise épouvantable sur mon mari. Aidez-moi à le trouver. Il faudrait 50 hommes de plus. L'éventreur est à Hyde Park, l'éventreur est près du palais. L'éventreur est partout, sauf là où on est. Quelque chose de grave est en train d'arriver à mon mari. Je vous en prie, aidez-moi à retrouver ce Hyde. L'éventreur vient d'être signalé à King Cross. Oh. Par quelqu'un de chez nous. Vérifiez. J'envoie tout de suite quelques hommes. Où avez-vous trouvé cette écharpe? Dans les mains de la dernière victime, pourquoi? Oh. Pour rien. On nous signale que l'éventreur a été aperçu aux alentours du palais, alors qu'est-ce qu'on fait? Vérifiez. Tout le palais, monsieur? Oui, tout le palais. Oh, merde! Veille sur tes brebis, ô Seigneur, accorde-leur le pardon de leurs péchés. Amen. Et même Grace est repartie chez son mari. Vu les 30 qu'il lui mettait, je l'aurais jamais cru. Il vaut mieux ça que se faire assassiner. Y a-t-il quelqu'un qui connaisse un monsieur Hyde? S'il vous plaît! S'il vous plaît, je vous en supplie. Moi, madame. Vous connaissez monsieur Hyde? Oui. Enfin, c'est plutôt une de mes copines qui le connaît. Oui, bon, mais qui est-ce? C'est personne de particulier, c'est juste une copine qui disait qu'elle arrêterait ce métier quand elle trouvera un type qui l'entretiendra. Et ce monsieur Hyde l'entretient? C'est une fille qui a la classe. Quand il l'a vue, il a plus voulu la quitter. Vous avez l'adresse de ce monsieur? Non, ça je l'ai pas. Et celle de votre amie? Susanna, ah oui. Elle habite Turin Road.
tout près de chez Madame Flora. Mais à cette heure-là, elle est sûrement chez elle. Pouvez-vous m'y conduire? Je vous en prie, je vous en prie. C'est très important. S'il vous plaît. Ah, 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 ah.
Henry. Tu as vraiment cru que c'était mort, hein? Henri. Ça a dû être un choc terrible pour vous, Dr Jekyll, de trouver votre femme assassinée d'une telle manière à votre retour. Oh oui, inspecteur. Le meurtrier a dû la suivre depuis le Histin jusqu'à la maison. Que faisait-elle dans ce quartier ? Des œuvres de charité, pour l'église, pour les femmes de la rue. Il a complètement saccagé votre bureau et votre laboratoire. Ce doit être un fou furieux. Mm-hmm. Je vous laisse. Je vais tâcher de retrouver ce monstre. Merci de votre aide, Dr Jekyll. Toutes les femmes de Londres seront en danger tant qu'il sera en liberté. Je le retrouverai. Soyez sans crainte. S'il est par là, je l'aurai. Au revoir, monsieur. Il est par là.